Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Oh, tu m'inscris? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Oh, dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Hé, hey, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dure là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, cette corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le deuxième mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord, c'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? C'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on arrive à rien dans cette maison. Allez, X à frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Ça, c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Oh ah, non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Engagez-moi. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Bah parce que y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites, Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Droit au but, on faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les feux, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de trace. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain.
Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. Oh, on va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le pétrole vert. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le pétrole vert est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale! Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai. Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial! Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Attention! Ne restons pas là! L'air dilate les pores de ma peau! Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Oh non, je rêve. C'est Tim Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Bon. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Oh. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Tim Scan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de Tim Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Ça, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Faites qu'elle reste en touche. Ratée, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Oh. Renvoie le ballon par ici.
Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette mandie en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Tim Scan. Allons l'examiner au labo. C'est la même substance que celle que Tim Scan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. Ah ! C'était quoi ce bruit atroce ? Désolée. Moi, tout ce sport, hein, ça m'a ouvert l'appétit. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, oh, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles, je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement. On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide. Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est Tim Scan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ça, c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam! Qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant. Et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien,
Disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ces frères jumeaux, ça sent les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ça faisait longtemps que ça me démangeait. Bonté divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Hé, hey, les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend, t'es fou? J'ai cru que t'étais un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné, le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible, ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. J'en ai pas assez pour tous. Désolé, Jerry. Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. Le tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi! On a plus de caramel! Mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. Depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces.
Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la terre entière. Ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Oh,